Good morning, allez, Yiden, les tueurs aujourd'hui, le Lunishmata, moi, Yonaman Khanan, Issim Ben Aouda, Sarah, Batran, Rachel, ainsi que l'Irfouat, Ari Akiva, Ben Shachar, et Refel, Zvulun, Men Chayam, Nebetor, Shachol, Israël. Si vous souhaitez, vous aussi, d'une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Avot, Perek Dalet, Mishnah, Chet, Tet, Yud, et Yud Alef. Chet, Hu Aya Omer, Altehi Dan Yechidi, Shehen Dan Yechidi, Ela Echad, Ve Altomar, Kabelu Daati, Shehen Rasha'in, Velo Ata. C'est Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossi, l'auteur de la Mishnah précédente, qui continue. Voya Omer, il avait l'habitude de dire Altehi Dan Yechidi. Ne juge pas tout seul. Sheen Dan Yechidi Ela Echad. Car ne peut juger tout seul uniquement le 1, Hachem, le Dieu unique. Seulement lui juge tout seul. C'est-à-dire, on m'explique. Il y a d'abord, il faut savoir, selon la halakha stricte, d'abord, un vrai juge, c'est un Dayan Samour, un expert qui était nommé à l'époque, donc de Moshe Rabbeinu qui a nommé les Zkenim, et les Zkenim, leurs disciples, jusqu'à l'époque des Tanaïm, même début des Amoraïm, où il y avait ce qu'on appelait les Smuchim, les juges experts. Alors, un juge expert avait le droit, selon la halakha stricte, c'est discuté dans la Gemara, en tout cas, cet avis-là pense que le juge expert a le droit de juger tout seul. Malgré tout, vient Rabbi Ishmael, ben Rabbi aussi, et il nous enseigne en nous disant « Ne te permets pas de juger tout seul. Veille à toujours avoir un tribunal lorsque tu dois juger, trancher l'alakha, de prochaine mishpat, je pense, spécialement, de litige. Veille à toujours avoir deux juges avec toi, c'est-à-dire soyez un bet din composé de trois juges. Même si tu as le droit de juger tout seul, ne te prends pas pour un invincible capable de, que tout ce que tu vas dire va être juste et vrai. » Non, vaut mieux avoir deux juges avec toi, comme ça tu peux te concerter avec eux, discuter et trancher ensemble, comme ça vous pourrez ensuite avoir un juge plus vrai. Tout ça, donc, c'est un conseil qu'il nous donne, c'est pas une obligation, c'est uniquement pour un juge mumché, un expert, et tout ça, c'est uniquement lorsque les deux parties n'ont pas accepté le rave. Par contre, si les deux parties acceptent le rave, ils vont voir le rave en leur disant « Non, on veut que ce que toi tu dis, on fait, on accomplit ce que toi tu tranches », alors là, il n'y a même pas de minat chassidut, il a le droit, a priori, le rav de juger tout seul. Ça va porter dans le martel noir. Ensuite, Ve'al Tomar Kabelu Dati, maintenant, puisque je t'ai demandé d'ajouter encore deux autres juges pour juger avec toi, hein. Alors imagine que maintenant, un rav, un grand beau gosse, il va associer avec lui, donc il va accomplir la Mishnah, il va associer avec lui deux juges, mais de niveau inférieur à lui, par rapport à lui. Lui, c'est le grand expert, le grand rav Rachouf qui connaît tout. Il va donc, pour accomplir la Mishnah, associer deux personnes. Puis il va réaliser que les deux sont, du coup, ont tendance à vouloir dire le contraire de ce que lui proposait. Lui, il voulait dire que Réhouven, il doit l'argent, et les deux, ils ont dit que non, Réhouven, il est dispensé. Il tendait à dire que Réhouven est dispensé de payer l'argent. Alors, la Mishnah vient et nous enseigne « Ve'al tomar kabelu dati » et ne leur dit pas « Acceptez ce que moi je vous ai dit, moi je suis plus grand que vous, je suis plus expert que vous. Pourquoi ?»« Shehen rasha'in velorata » Car eux sont en droit et pas toi. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as accepté de faire un jugement avec trois juges, alors la Torah l'a fixé « Acharei rabim le'atot » Tu vas selon la voie de la majorité. Et même si toi, tu sais que tes svarot, tes pensées sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus fondées que ce que les deux autres peuvent dire, malgré tout, à partir du moment où tu les associes, alors tu es obligé de te concerter, si tu veux discuter et prouver, étayer et prouver ce que tu penses, et ben dis-le. Mais en tout cas, ne viens pas comme une massue leur tomber dessus en leur disant « Kablou dati, acceptez mon avis et pliez-vous à moi parce que moi je suis plus expert que vous ». Ça, il ne faut pas le dire. Pourquoi? Parce que finalement, le jugement, ça c'est aléatoire. Chacun selon sa manière de percevoir la lacha, dans la mesure il y a des règles, dans quel type de... Ouais, c'est quand c'est pas tôt et bidvar mishnah, quand c'est quelque chose qui dépend du shikul adat, comment estimer, comment considérer, alors dans ce cas-là, tu te dois de considérer les autres juges. Ensuite, Mishnah Tet. Rabbi Yonatan Omer, kol amekayem et haTorah me'oni, sofo lekayima me'osher, v'chol amevatel et haTorah me'osher, sofo levatela me'oni. Rabbi Yonatan enseigne, kol amekayem et haTorah me'oni, tout celui qui accomplit, qui maintient, qui, comment dire, perpétue, la Torah me'oni, alors qu'il est en situation de pauvreté, eh bien, qu'il sache que sofo le kaima me osher, à la fin, il finira par avoir gain de cause et par mériter du ciel, qu'il continuera à accomplir la Torah dans la richesse, l'opulence, c'est-à-dire dans la tranquillité d'esprit du côté financier.
Alors que Vechola Mevatel et Torah Me'osher, tout celui qui annule la Torah, qui néglige son étude de Torah, alors qu'il a toutes les conditions matérielles qui lui permettaient de le faire aisément, eh bien, Sofol et Vatela Me'oni, il finira le pauvre par annuler sa Torah dans la pauvreté. Il nous apprend une grande règle ici, Rabbi Yonatan, en nous disant, dans la vie, il faut travailler. C'est vrai, on a tous des devoirs de parnassa. Mais dans la vie, il faut aussi étudier. Et on a un devoir de se fixer et d'étudier. Sache que lorsque tu vas te fixer, tu vas te dire que moi, par exemple, je vais étudier 2 heures par jour, je vais étudier, je veux percer et étudier la Gemara, par exemple, la Gemara, la Halakha, partir étudier de manière très sérieuse. Et donc maintenant, tu vas dire, ouais, mais quelqu'un va te dire, mais finalement, regarde, en situation financière difficile, tu devrais quand même encore un petit peu, tiens, passe encore 2 ans, d'ici 2 ans, tu commenceras à étudier, ou bien dans 5 ans, ou bien encore dans 40 ans, tu iras en retraite et puis tu étudieras là-bas. Alors toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, non, Ani Dohe Ketacha, je me force, je m'en moque. Autant que j'ai un devoir de travailler, pourquoi je travaille? Parce que c'est une malédiction qu'Hachem il a maudit Adam Rishon en lui disant « Bezat apecha tochal lechem » à la sueur de ton front, tu devras manger ton pain. Donc finalement, travailler beaucoup plus, ça ne va pas beaucoup t'ouvrir les portes dans la mesure où tu vas aller à l'encontre du Retzon Hachem, de la volonté d'Hachem. Hachem t'a demandé d'étudier, et bien tu te dois d'étudier. Donc, dans ton sédérium, autant que c'est évident que tu dois bien dormir la nuit, tu dois bien manger, tu dois bien prendre une douche, partir aux toilettes, je sais pas moi, un minimum, et bien sache, mets dans tes obligations aussi le fait que tu dois te fixer 1 heure, 2 heures, 3 heures d'études de Torah, et fixe-les-toi et n'aie pas peur, et même si à cause de ça maintenant, tu penses que tu vas perdre de la parnassa, tu vas perdre de ta subsistance, et bien sache que finalement, au final, sauf les kaïma mais en chair, tu finiras par accomplir la Torah dans l'aisance. Alors que tout celui qui avait les moyens de le faire, de se fixer, d'étudier la Torah, Chas v'Shalom, ça fait peur. C'est quelque chose de fort qui est écrit dans cette Mishnah. Mais en tout cas, il faut l'apprendre et savoir que c'est écrit et justement mettre en application davantage, mais en t'a jamais. Que tout celui qui avait les moyens d'étudier la Torah, il avait la possibilité de se prendre 2 heures, 1 heure d'étude, 2 heures d'étude, de donner une allure à sa vie, à sa journée, en étudiant la Torah. C'est tout notre patrimoine, c'est notre culture des Juifs. Alors, il avait la possibilité donc d'étudier. Qu'est-ce qu'il a préféré faire sans arrêt avec son petit appareil en train de, je sais pas, comme des, d'accord, avec le, ou bien peu importe, où est-ce qu'il a perdu son temps? Il était sans arrêt en train de lire des nouvelles, des journaux ou de, d'accord, surfer sur le net. Eh bien, il est mevatel et tatora meosher chas vechalila mishanosan, et ben sofro levatela meoni, il finira par finalement ne plus, même plus pouvoir trouver le temps d'étudier, tellement qu'il sera débordé, qu'il sera couvert de soucis, de prise de tête, au point où il va devoir travailler sans arrêt, puis maintenant, au moins, à force de... Bon, d'accord, on ne veut pas trop parler, et avancer. Mishnah Yud, Rabbi Meir Omer, Eve Memaet Ba'esek Va'asok Va'Torah, Veve Shfal Ruach Bifnei Kol Adam, Ve'im Bitalta Min HaTorah, Yashlecha Betelim Harbe Kenegdecha, Ve'im Amalta Ba'Torah, Yashlecha Harbe Sachar Harbe Litenlach. Rabbi Meir enseigne, Eve Memaet Ba'esek, diminue de tes occupations, de tes préoccupations, Va'asok Va'Torah. Ça rejoint toujours le même principe. Tout pire qu'à votre. La moitié de pire qu'à votre, c'est de nous stimuler à plus étudier la Torah et à le faire de manière très sérieusement. Et alors, il vient nous enseigner Rabbi Meir en nous disant Eve Memaet Ba'esek, t'as plein d'occupations. Eh bien, diminue tes occupations et Asok Ba'Torah. Va étudier la Torah, mais pas juste étudier la Torah light, écouter, participer à un petit cours et puis là-bas, un mot d'étude, un mot de parlot et de. Non, pas du tout. La Asok Ba'Torah. S'investir dans l'étude de la Torah. Diminue tes occupations et occupe-toi, investis-toi dans l'étude de la Torah. Ve'vesh fal roach bifnei kol adam. Et sois humble devant toute personne, c'est-à-dire, le Bartonner explique, qui vient nous apprendre, apprends à écouter et apprendre de chaque personne. Même si tu penses que quelqu'un il a une halakha à t'enseigner, et toi tu penses que tu es plus que lui, tu es censé déjà tout connaître, et tachlès, objectivement, il connaît et toi tu ne connais pas. Eh bien, rabaisse-toi et écoute et apprends de chaque personne. Et voilà. Ve'im bitalta min haTorah, yashlecha harbe bitulim harbe, ve'yashlecha betelim harbe kenegdecha. Nous enseigne Rabbi Meir en nous disant, si tu as annulé, si tu as méprisé le temps d'étude de la Torah, c'est-à-dire tu avais la possibilité d'étudier la Torah et puis tu ne l'as pas étudié, eh bien, sache que malheureusement, comme ça rapporté dans Rashi, dans Devarim, je crois, quand on s'écarte de la Torah un jour, tu crois que tu as un jour d'écart avec la Torah, tu as 2 jours d'écart.
toi tu t'es écarté un jour, elle s'écartait de toi. Maintenant, il va falloir, elle s'écartait de toi elle aussi un jour. Donc maintenant, pour pouvoir revenir à la Torah, il va falloir trimer doublement, mettre les bouchées doubles. C'est ce qui va nous apprendre à bien meilleur. Vimbitalta mina Torah. Si tu as négligé ton étude de la Torah, sache qu'à présent, yashlecha betelim harbe kenegdecha. Tu as contre toi maintenant, tu t'es fait des ennemis, des bonnes causes qui vont faire que maintenant, ça va être encore plus dur d'étudier la Torah. Ouais, j'illustre. J'avais la possibilité d'étudier et j'ai négligé. Et ben maintenant, bon, d'accord, j'ai négligé, j'ai perdu une heure. Et puis finalement, je vais partir au Beit HaMidrash. Et ben sache qu'à présent, maintenant, puisque toi, moi j'ai annulé une heure, et ben pendant une heure, je vais devoir trimer avec des milliers de bonnes raisons de pouvoir fermer mon livre et ne plus étudier. Tu as annulé la Torah consciemment, et ben sache que la Torah maintenant, elle t'a créé maintenant des embûches qui vont t'éloigner encore plus. Et pour pouvoir revenir à la Torah, il va falloir faire de la Messirut Nefesh, se forcer contre sa nature, contre les soucis, se dire le téléphone, je l'éteins, et je me mets à étudier, et je m'investis, je me sens fatigué, je m'en fous, je me force, je sens que j'ai mal au ventre, j'ai mal aux pieds, j'ai mal au... rien du tout, je me force à étudier, et comme ça maintenant je vais pouvoir détruire tous ces bétélim, ces bitoulim que j'ai contre moi, pour pouvoir me remettre sur le rail. Veim amalta batorah, yesh lo sachar arbe l'etanach. Et sache que si tu as été omel batorah, tu as peiné pour comprendre la Torah, sache qu'Hachem, il a beaucoup de mérite à te donner, d'accord? Mishnah Yudalef. Rabbi Elazar ben Yaakov omer, ha'oseh mitzvah achat konelo paraklit echad, ve'ha'over avera achat konelo kategor echad. Tshuva u'masim tovim ketris bifnei ha'pur'anut. Rabbi Yochanan Asanela omer, kol knesia l'eshi l'eshem shamayim sofa l'itkayem, ve'she'en l'eshem shamayim en sofa l'itkayem. Rabbi Elazar ben Yaakov nous enseigne, ha'oseh mitzvah achat, celui qui accomplit une mitzvah, konelo paraklit echad, et bien qu'il sache qu'il se crée un bon avocat dans le ciel. Kayadua, chaque fois qu'on accomplit une belle mitzvah, selon la beauté de la mitzvah qu'on va l'accomplir, la splendeur, l'investissement qu'on va faire, alors on se crée un ange plus ou moins splendide, fort, beau, robuste, qui va nous protéger dans le ciel. Et plus on va accomplir des mitzvot, et de manière, avec perfection, et plus on va avoir des anges qui vont nous créer, on va créer des anges qui vont nous protéger, nous défendre dans le ciel, pour au contraire nous aider. Et l'homme, il est fréquemment jugé, c'est bon à savoir ça. L'homme, il est fréquemment jugé si parfois il se met en situation de danger, par exemple. L'Agma enseigne que c'est l'occasion pour, dans le ciel, qu'on ouvre son jugement et qu'on voie, il passe à côté d'un mur fragile, peut-être que le mur va tomber dessus, il va partir rouler dans les shtachim, dans les territoires dangereux. Et ben on va prendre son dossier, on va voir, est-ce que c'est pas l'occasion de régler quelques comptes. Et dans les moments comme ça, justement, on a tous besoin d'avoir des bons avocats. Les bons avocats, c'est les mitzvot que l'on accomplit pleinement, qui vont venir dans le ciel pour nous protéger, pour faire pencher la balance dans le positif, et nous protéger. Donc ça, c'est celui qui accomplit une mitzvah, il est connu praklit echad. Même en hébreu moderne, il utilise le mot la praklitut, c'est ceux qui viennent plaider. Par contre, ve'aover avera echad, celui qui transgresse une avera, et ben là aussi, connaît lo kategor echad. Il se crée un ange accusateur contre lui, selon le même principe. Si ça vous intéresse de savoir c'est quoi les mots sanégor et catégor, le Barthénor rapporte l'étymologie. Catégor, coré, tiger. Et sanégor, sonné, tiger. Tiger, c'est la dispute, la discorde. Alors, catégor, c'est celui qui appelle à la discorde, viens te friter. Et sanégor, c'est celui qui est sonné, tiger, qui dit, allez, viens, on reste tranquille, viens, pourquoi on va se disputer. D'accord, c'est l'étymologie de chacun. Ensuite, il nous enseigne encore Rabbi Elazar ben Yaakov. Tshuva ou ma'asim tovim kitris bifnei apuranut. La tshuva et les ma'asim tovim, ce sont comme un bouclier devant les épreuves, les difficultés, les punitions. C'est-à-dire, lorsque Khalila, Chazu Shalom, il y a une quelconque menace qui plane, à titre personnel, à titre sur toute la ville, ou peu importe, et bien que l'on sache que tshuva ou ma'asim tovim, c'est les boucliers qui vont nous protéger contre ces choses-là. Contre ces différentes menaces, tshuva, faire tshuva, revenir réparer ses actes, et ma'asim tovim, faire davantage de mitzvot. Ensuite, Rabbi Yochanan Asanlar, Omer, Rabbi Yochanan Asanlar, c'est un cordonnier, il avait l'habitude de dire, kol knesia sheyel shem shamaim, sofalit kayem, tout rassemblement qui est fait au nom d'Hachem, en l'honneur d'Hachem, sofar leit kayem, la finalité de ce rassemblement sera
de tenir, même si apparemment on a envie de créer, je ne sais pas moi, s'il s'agit par exemple de se réunir pour créer une bête à Knesset. Il y avait une bête à Knesset quelque part dans le quartier, mais là-bas il y avait malheureusement des gens qui venaient prier, qui parlaient, qui négligeaient la tfila. On s'est dit qu'on allait organiser un minyan de plus grande qualité. Bien sûr, avant de partir, se séparer, on a d'abord demandé à améliorer les choses, à faire une bête à Knesset de meilleure qualité par exemple. Et on a eu malheureusement des sourds qui nous ont écoutés. Personne n'a pris en compte, personne n'a tenu compte. Ça leur plaisait, l'ambiance, ça charrie pendant le sécertoire. On se fait des coucous, on se jette des bonbons dans la tête. Khalila, malheureusement, ça existe. Du coup, on a dit, bon, allez, on va se réunir, on va créer une nouvelle synagogue. Ah, et là-bas, tu sens que c'est dur. Tu as des épreuves. Tu trouves pas de lieu pour t'installer, tout ça. Sache que si ta knessia, elle est l'Echem Shamaim, si ton rassemblement maintenant, il est l'Echem Shamaim pour l'honneur d'Hachem, pour mieux donner, sache que Sofa et Kayem, à la finalité, ça se maintiendra, ça réussira, ça percera, et ça se... au contraire, tu auras l'heure de gloire à la fin. Parce que tu fais l'Echem Shamaim en l'honneur d'Hachem. Hachem, il est fier de ça. Tandis que Vesheena, l'Echem Shamaim, tout celui qui veut faire un rassemblement qui n'est pas pour l'honneur d'Hachem, Ein Sofa et Kayem, la finalité de ce rassemblement n'est pas... De cette organisation, de ce rassemblement, n'est pas de tenir, au contraire, ça va finir par s'effondrer. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Sacha Koltou, c'est là.